Je souhaite sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. D'abord la dette, puisque aujourd'hui la France est endettée, plus de 20 000 euros par Français. Un déficit de la sécurité sociale qui s'élève à 11 milliards d'euros, un chômage qui touche près de 3 millions de personnes, des agressions qui ont augmenté depuis 2002 de plus 30% de violences physiques gratuites contre les personnes. Alors voilà, je veux être la présidente de la République qui va faire une France où l'agressivité et les violences reculent, qui va faire une France qui va gagner la bataille contre le chômage et contre la vie chère. Non, monsieur Sarkozy, je ne diminuerai pas le nombre de fonctionnaires. Ou alors il va falloir me dire dans quel domaine vous allez réduire ce nombre de fonctionnaires. Parce que s'il y avait davantage de policiers, peut-être que cette femme n'aurait pas été violée parce qu'elle n'aurait pas été seule. Le commissariat de Clichy que vous aviez promis, il n'est toujours pas ouvert. Madame, alors en effet, il manque de policiers. Est-ce que vous pourriez vivre l'un et l'autre avec 980 euros net par mois? Et je pense qu'il faut que les discours soient cohérents avec les actes. Ah ben si vous ne pouvez pas faire, comment voulez-vous accéder aux responsabilités? Eh bien moi je le pourrais. Ah bon? Je le pourrais. Je le pourrais. Donc quand je vois des misères sociales comme cela et que j'entends une espèce de discours tonitruant, yaka, vous allez voir ce que vous allez voir, de père fouettard, disant aux uns et aux autres, vous allez faire ça, ou sinon vous serez sanctionné, alors qu'il y a tellement d'abus de l'autre côté parmi les amis du pouvoir, je vous dis que ça n'est pas bon pour la France, ça n'est pas ma vision des choses. Sur la question de la délinquance sexuelle, qui, vous en conviendrez avec moi, n'a rien de génétique. On dope la croissance d'abord en remettant du dialogue social dans l'entreprise. D'abord, si vous pensez que les 35 heures ont créé autant de dégâts, pourquoi ne les avez-vous pas supprimées? Cessez de m'interrompre parce que je connais bien la technique. Le fléau auquel nous avons à répondre, c'est les millions de salariés qui n'ont pas du tout de travail. Et donc, le moment est urgent. Il faut faire autrement. Il faut voir l'économie autrement. Il faut la voir en dynamique avec les territoires, en rassemblant, en réunissant la recherche, la formation et l'entreprise. Donc voilà, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant de considérer toujours que ce sont les salariés qui doivent toujours payer la flexibilité ou payer les difficultés économiques. Pour la première fois, on voit en France des jeunes qui sont inquiets de leur retraite, alors qu'il y a en effet quelques années, ça n'était pas une idée qui leur effleurait l'esprit. Je pense que le défi planétaire est l'un des défis les plus importants que nous avons à relever aujourd'hui. Je crois que le réchauffement planétaire conduira même au conflit de demain à l'échelle de la planète. Donc, vous venez de dire une série d'erreurs. Ça peut arriver, mais il faudra que vous révisiez un peu votre sujet, car il ne s'agit pas de la quatrième et de la troisième génération, que la Finlande a déjà un prototype. Ce que je trouve malsain dans cette façon de présenter les choses de la part de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas plus de deux offres d'emploi, sinon c'est un mépris des gens, c'est-à-dire c'est une suspicion sur l'enjeu éducatif pour la nation, pour la présidente de la République, que je serai peut-être, je l'espère, sera mon enjeu principal.
Je remettrai l'éducation au cœur de tout et en avant de tout. Les Français choisissent aussi entre deux personnalités, deux parcours, deux itinéraires, deux façons de faire de la politique. Vous avez fait une loi de la décentralisation tellement confuse qui a entraîné une superposition des compétences entre les différentes collectivités territoriales, ce qui fait que tout le monde s'occupe de tout et qu'il y a donc beaucoup trop de gaspillage. Eh bien moi, je remettrai de la clarté dans les responsabilités et donc la fonction publique sera mieux répartie entre la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et les fonctions publiques territoriales. Voilà comment j'entends à la fois remettre de l'ordre juste dans l'administration et lutter contre toutes les formes de gaspillage. Et je pense que l'on atteint le summum de l'immoralité politique. Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. Parce que jouer avec le handicap, comme vous venez de le faire, est proprement scandaleux. Pourquoi ? Je ne mens pas. Et je ne prétends pas faire ce que j'ai détruit madame, avant. Madame. Alors laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. C'est toute une conception de la vie politique et de la responsabilité politique qui est là. Si on est responsable de rien, si on a des comptes à rendre jamais sur ces actes politiques, mais comment voulez-vous que les citoyens croient encore à l'efficacité de l'action politique ? Je ne crois pas que ça soit de bonne politique comme ça, de claquer la porte à ce grand pays. J'ai toujours voulu faire adhérer les citoyens à un projet, à une vision, à une espérance. Je veux être demain la présidente de cette France présidente qui va se prendre en main. Le projet, ce sont les Français. C'est-à-dire, on est dans le donnant-donnant, dans le gagnant-gagnant. Est-ce que cette France-là va avoir l'audace de choisir le changement, l'autre façon de voir les choses, le changement dans la sérénité et sans brutalité? Je suis là devant vous, Arlette Chabot, et rien ne me prédisposait à être ici devant vous.